Pour comprendre tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, culture, religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Kerichard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec Zamou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG, Pierre-Richard Guillaume. Et Schneider Espérance, n'a pas appelé aussi bibliste. Nous bienvenue sur le channel Pierre-Richard Guillaume. Avec vous-même, nous allons regarder dans qui sens, dans le sens l'église là, je dis, est-ce que ça a empêché nous sauver? Et bien, nous bienvenue sur le channel Pierre-Richard Guillaume. Moi salue PRG, moi salue de toute follower et Chandel Pierre-Richard Guillaume Foyo, son plaisir et pour moi là ensemble avec vous matin. Merci en pile pour l'invitation. Tout à fait. Eh bien, on commence par le commencement. Qui ça évidemment l'église là? Il a parlé de l'église. Est-ce que son monde l'église là? Est-ce que c'est espace physique l'église là? En allez. Alors ça qui passe c'est que le mot église là il sorti dans un mot grec ecclesia. Il sorti dans un mot grec ecclesia qui signifie assemblée. Et l'église là c'est une assemblée de monde qui réunit ensemble pour être capable de présenter un culte, pour être capable de approcher de une divinité, un être et supérieur, c'est ça l'église. Alors gagne on sorte de différence au fur et à mesure au fil des siècles qui des que au fait entre église avec yon e qui minuscule et église avec yon e qui majuscule. Alors yo dit que l'église avec yon e qui minuscule, yo dit que c'est bâtiment, c'est mur yo, c'est banc, c'est chaise. C'est ça qui église, bon, avec E minuscule là. Mais, ça qui avec E majuscule là, on dit que église, ça, c'est assemblée de croyants, assemblée de monde qui réunit quelque part, sans tenir compte justement de espace physique là. Donc, en gros, l'église, et c'est ça. Mm-hmm. En fonction de survol historique, et est-ce qu'on peut expliquer nous qui gens anciens yo, et t'es arrivé traverser tout sexe ça yo, qui toujours un rapport avec l'église là, n'a pas l'air. Alors, et c'est une question qui est très intéressante, et dans la mesure où lui permettre que nous garder et qui côté l'église l'en sorti. Alors, l'église, c'est dans la pensée même de Jésus. Nous songez Jésus dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Pour la première fois, Jésus était trouvé lié à Césarée de Philippe. Et puis, lui posait monsieur disciple une question qui paraît plutôt bizarre. Côté que lui demandait yo, qui laisse que yo dit que moi y est? C'est comme une sorte de enquête pour le besoin qu'on ait qui ça mon yo pensé de lui parce que ça fait quelque temps déjà depuis que la prêché l'évangile et en Israël à la Palestine. Donc les besoins qu'on ait qui gens yo well au fait. Et gagne un ensemble de réponses qui bail ensemble avec disciple. Gagne qui dit que disciple répond, gagne qui dit que c'est Jean-Baptiste, gagne qui dit que c'est Élie, gagne qui dit que c'est Jérémie, un prophète yo. Et Jésus répliquait, rétorquait pour le dire que et nous-mêmes que moi avec nous tout le temps et nous-mêmes que moi expliquer un ensemble de paraboles, des choses cachées que moi révéler nous justement, qui est-ce nous dit que moi y est. Et c'est alors justement que Pierre et Simon Pierre prend la parole, lui dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répliquait encore pour le dire: Simon, tu es heureux, fils de Jonas, tu es heureux parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus, dans verset 18 là,
lui ajouter quelque chose pour lui dire que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts et pas gagner aucune prise, pas gagner aucune le dessus sous lui. Donc c'est pour la première fois dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, que nous joignons le mot église et lui sortit même de la bouche de Jésus. Donc c'était son idée de constituer, de créer de une église. Donc il y a assemblé de croyants qui gagne pour mission justement pour approcher de être supérieur, être suprême, qui c'est bon Dieu. Alors question pour là, t'es très spécifique. Pour qu'on ait, et bon, ça fait quelques temps, ça fait plus de 2000 ans que Jésus était venu sur cette terre, il prêchait l'évangile, il mourit, j'en nous connais, il ressuscité, il a tourné, mais l'église l'a traversé ensemble d'étapes, de traverser les âges pour y arriver sous nous là en 2024. Et le jésuite par exemple t'a fait mention de l'église pour la première fois, il était associé lui ensemble avec les forces obscures, les forces du mal, que il était dit que ces forces-là ne prévaudront point contre elle. Donc gagne en sorte de côté l'église là hier, gagne difficulté, gagne toute qualité de problème et gagne en sorte de guerre spirituelle, un combat spirituel qui a fait contre l'église parce que l'église décrit une réalité supérieure qui reflétait, c'est comme une ambassade du Seigneur sur cette terre. Donc, les forces du mal a toujours gagné en sorte de volonté pour y accaparer de lui. Et si nous regardons l'histoire de l'Église à travers les âges, d'après ça, et Jésus allait, Jésus montait dans le ciel, c'est vrai que lui promet que la retourner, mais il y a un ensemble de persécutions qui viennent par la suite pour les premiers chrétiens avec l'Église primitive. Les apôtres étaient là, t'as prêché l'évangile un peu partout en Israël, un peu partout dans le monde, notamment avec l'apôtre Paul, mais persécution est venue. L'Empire romain tuait, mais presque toutes, et apôtres, massacrés ensemble de croyants, justement parce que, et ça, c'est comme une parole prophétique, côté l'église, là, il a toujours gagné des problèmes qui liaient ensemble avec lui. Donc, une volonté manifeste depuis longtemps, pour détruire ça qui est l'église là, mais malheureusement pour eux, et Jésus t'a bien dit, les forces du séjour des morts n'auront et pas le dernier mot, pas bien en prise et sous lui véritablement. Mais au fur et à mesure que nous songeons, il y a un ensemble de empereurs et romains par exemple et Néron t'a gagné projet pour le reconstruire un ensemble de quartiers à Rome. Néron lui-même fait brûler quartiers yo parce que le t'a besoin de débarrasser le quartier yo pour être capable et faire construction yo. Li fait brûler yo, l'elle finit li accuser chrétien comme quoi c'est yo qui brûler yo. Donc li jeune un alibi pour li tuer, pour li massacrer, pour li mettre yo devant lion, pour faire lion déchirer yo. Non songez qui ça Domitien fait lui-même et c'est Domitien lui-même qui t'est arrêté apôtre et Jean mettait lui sur l'île de Patmos. Donc c'est là justement que Jean joignit ensemble de révélations et non, gagnons ensemble de messages qui concernaient l'Église. Donc l'Église, encore une fois répété, particulièrement les sept églises de l'Asie mineure. Donc l'Église, c'est une institution ancienne qui traversait les âges. Et des années après, par exemple, l'empereur Dioclétien tuait un paquet de chrétiens, paquet de croyants, parce que justement, Monsieur Saoté voulait que les chrétiens aient été présentés au culte. Yo te vle que chrétien prier yo tant que yon être supérieur, mais chrétien pas de vle justement. Et malheureusement pour chrétien yo tué yo massacré yo. Donc à mesure que chrétien a mouri, à mesure que croyant a mouri, c'est à mesure que justement gagne un ensemble de monde qui a entré dans l'église et kembe la foi à apôtre yo et qui fait le river sous nous et qu'on y a bon pas sans modification, m'étais capable de dire avec un pile modification, mais et le concept même et dans une certaine mesure le message même resté intact et Satan malgré tout ça que le fait il est pas gagné en prise sur l'église là véritablement. Et ça a toujours été comme ça parce que c'est de la bouche même de Jésus, les forces de l'enfer, les forces du mal ne prévaudront point contre l'église. Non, pas possible. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ouais, et Jésus t'a fait allusion avec une seule église. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs églises.
à qui sont attribués phénomènes ça. Et ça a commencé longtemps. Ça a commencé longtemps, ça a commencé très, très, très longtemps. Et sinon aller bon m'pas même vouloir rester dans l'église primitive parce que t'es gagné des messages qui t'ap circulé en dans l'église. Yo, par exemple apôtre Paul te qu'on a fait mention ensemble avec les Corinthiens pour te dire prenez garde parce que après mon départ il y aura des loups cruels qui a venu qui a déformé le message de l'évangile et qui pourra le porter en pile problème. Mais ça a commencé très longtemps, notamment ce que moi je voulais souligner note à travers question ça, notamment et au 4e siècle là nous en octobre 312 avec l'empereur Constantin. Alors en 312 l'empereur Constantin, l'époque empereur, il était un jeune soldat à l'époque, il était manifesté désir pour contrôler tout l'empire romain. À l'époque 312, l'empire romain c'était ce vaste territoire là, tu gagne un ensemble de chefs qui t'a dirigé lui. Constantin t'est manifesté désir pour le chef suprême. Et lui annoncer par exemple que lui dit lui que bon voilà ma gain objectif ça mais qui j'en pour me faire. Bon, selon les écrits de Zeb de Césarée qui révélait nous ça que Constantin était venu gain des visions et lui ouais dans ciel là et un signe et puis on voit qui dit et in signo vinces, c'est-à-dire par ce signe tu vaincras. Et quel était ce signe? Ce signe là lui ouais deux lettres. Yon qui et yon wo. C'est deux premières lettres de Christos. Donc, et monsieur dit tête liquette. Si moi signe ça, d'après les écrits de Zeb, ma voix était très modeste. Si moi signe ça, et ok, d'accord. L'y fait que monsieur soldat pareil, yon mettait le Christos sous bannière, yon, sous toute, et toute bagaille qui gagne rapport ensemble avec soldat. Et puis, il dit, s'il gagne victoire, l'a décrété la fin des persécutions pour les chrétiens. C'est ainsi que Constantin allait dans la guerre, li bat tout monnet qui était en face lui. Dernier an, c'est et sur le pont Mulius que li bat Maxentius et à plate couture. Et puis li vin le seul chef, le chef suprême de tout empire romain et monsieur déclarait que c'est la fin persécution pour chrétiens, c'est à partir de la pagaine persécution pour chrétiens encore. Donc Constantin déclarait par exemple et c'est fini et il décrétait le christianisme de religion d'État. Il déclarait le christianisme de religion d'État. Donc à partir de là, pas gagné problème encore. Tout chrétien à l'aise pour y parler de Jésus, pour y faire tout ça au vle, pas gagné persécution encore. Mais quelques temps après, on vient remarquer un autre problème au niveau du christianisme. Parce que gagné on lecture et de qui fait du christianisme, on voit que gagne plusieurs formes de christianisme. Constantin en tant que bon politicien, il était remet la vision unitaire de l'église qui était reposée en la croyance d'un seul Dieu. Et il répétait lui tout le temps, gagne un seul dans le christianisme, il remet ça le remet en pile, c'est que gagne un seul Dieu. Gagne un seul Jésus, gagne un seul moyen pour accéder à la vie éternelle. Donc, cette vision unitaire, Constantin te voulait utiliser li pour être capable d'ajouter quelque chose, gagne un seul empire, gagne un seul empereur, qui c'est lui-même. Donc, il s'agit d'un bien passé dans ce sens-là. Et il te voulait servir ensemble avec et l'unité et de la foi pour être capable de, comme t'as dit, reconstruire et l'empire romain qui était jusque là gagné en pile pour province là-dedans. Li. Donc, il était voulu baser ensemble avec unité ça comme base doctrinale, unité doctrinale de l'église pour être consolider l'empire lien. Mais par la suite, monsieur Vinon n'est compte que gagne plusieurs formes de christianisme. C'est, par exemple, monsieur Vin dit être quête. Ça menaçait la sécurité même de l'Empire et l'y convoquait le premier concile. Là, non, 325. Le premier concile à Nicée pour réfléchir. Parce que t'es un problème véritablement. Il y avait un prêtre catholique, Arius, qui font lecture stricte de la Bible. Monsieur dit peut-être que t'es un problème avec ce Jésus.
les monsieur garde bien dans Bible là, dans des écrits qui lui sont parvenus, il dit tête que Jésus, il est subordonné à Dieu. Pour Arius, Jésus pas égal ensemble avec mon Dieu. Et le monsieur dit c'était pas ça le message catholique, et le monsieur dit que Jésus, il est le fils du Père. Donc puisqu'il est le fils, gon père, donc fils là avec père là pas qu'à égal du tout. Donc il dit peut-être que c'est pas possible. Donc selon l'exus strict que Arius fait, c'est-à-dire il dit peut-être non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que d'après lui-même, t'es gagné un père qui à un certain moment de l'endurer engendrer un fils, c'est-à-dire en question de coéternité. Monsieur dit peut-être à un certain moment de l'endurer Jésus n'existait pas. Et que bon Dieu manifeste ses désirs pour lui engendrer ce Jésus, et avec le temps, il a fini par créer le monde, etc., etc. Et évidemment, point de vue ça, t'es immédiatement condamné par l'évêque d'Alexandre, qui était évêque d'Alexandrie à l'époque, et vient créer un problème, un conflit théologique terrible dans l'Empire romain. Oui, mais dans quel conflit théologique ça, il nous fait allusion avec le Père, le Fils, oui. Qui n'a pas fait état de la mère. Si il y a papa, il y a petit, où est la mère? Bon, par le fait que bon Dieu lui-même, c'est lui le créateur, donc cette dimension là, parce que la mère, où est l'enfantement, où est le fait de donner naissance, où est tout ça, de donner vie. Donc par le fait que bon Dieu lui-même, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne vie, donc la mère là vient substituer ensemble avec ça, pas aucun problème. Mais ça qui passait, c'est que et vient gain un gros conflit ça et dans l'Empire romain justement, et Constantin dit que non. Ça le gagné comme ambition politique pour le appuyer sur le christianisme pour le remettre l'Empire en place, l'y menacer. Et c'est Constantin lui-même qui convoquait le premier concile de Nicée, l'y réunit avec eux, l'y réunit ensemble de diacres, ensemble de ecclésiastiques pour discuter de questions. Ils ont invité Arius pour le défendre point de vue. Arius vini, il défend point de vue. Et le concile de Nicée 1, le concile de Nicée et rejeté le point de vue de Arius. Ils ont condamné Arius et justement, et yo formulé un credo. Et jusqu'à présent, l'Église catholique est toujours répété credo ça chaque dimanche. Par exemple, le symbole de Nicée-Constantinople, que dit que et c'était en réponse à Arius, ensemble avec tous ses partisans, et pour te dire que Jésus, il est engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Jusqu'à présent. Donc c'est ça sorti très loin, mais malheureusement Arius vient yo excommunié, yo retiré dans l'église là. Donc Constantin vient par la suite était très convaincu dans la pensée arienne, mais et à partir de là vient commencer gain des divisions à l'intérieur de l'église. Il y a des monde qui parle bah yo même gens. Arius toujours gain partisan, c'est vrai que concile l'a fini et quelques mois après, mais la pensée demeure. Et jusqu'à présent, au moment où nous parlons en 2024, concile l'an, c'est vrai, pas existé encore. Concile l'an, tranché sur question, il a dit que la pensée d'Arius n'est pas en dans l'église. Et il a fini par rendre compte que Jésus, il est Dieu de même nature que le Père. Il a avancé. Mais il y a des religions, toutes présentement, par exemple, les témoins de Jéhovah, par exemple, il n'a jamais accepté que Jésus, il est Dieu de même nature que le Père. Non, jamais. Donc, c'est la pensée arienne qui, jusqu'à présent, dominait. Ou joigne, par exemple, il y a un ensemble de religions, justement, il y a cette division-là. Et à partir de là, Constantin vient seul chef dans l'église. Voilà un homme qui n'était même pas baptisé, il n'était même pas chrétien. C'est lui-même qui a défini l'orthodoxie chrétienne. C'est lui qui a dit, qu'est-ce qui est chrétien? Qu'est-ce qui est pas chrétien? Alors que lui, il n'était même pas chrétien. Il n'est pas même baptisé. Constantin vient baptiser jusque dans le poil mourir en 337, il couché sous cabane le poil mourir et il relé et Eusèbe de Nicomédie vient baptiser qui c'était lui-même yon monde qui t'a soutenu la pensée arienne. Donc c'est là sous cabane li mettons yo vu dans titre sous tête li entre guillemets baptiser. Donc Constantin pendant tout parcours li c'est lui-même qui décide qui gens l'église doit faite. C'est lui qui décide qui gens doctrine doit écrit.
c'est lui qui fait absolu, fait et défait. Et c'est ça, et c'est parce que le fait et défait qui fait que Arius lui-même l'a fait mettre le dehors dans l'église là. Quelques années après, Arius parle écrit Constantin pour le dire Constantin, il a fait l'abus, remettez-le dans l'église là encore, ce que Constantin fait en partie. C'était pas évêque que t'as dirigé, bon, pas de guin papa à l'époque, c'était pas évêque que t'as dirigé l'église là, mais c'était Constantin pour compte lui, c'est lui qui fait et défait. Donc, à partir de là, il y a un ensemble de monde qui prend distance avec l'église, et il a commencé à dire tête, quête, l'église là dévié. Et nous jouons une déviation ça, jusque là. Jusqu'à cette présente minute, il y a un ensemble de dénominations chrétiennes qui entrent dans l'église là, qui parlent bagaille, même gens, notamment avec l'église catholique. Par exemple, la Trinité, cette doctrine-là n'existe pas dans la Bible, mais ils ont une histoire. Ils commençaient avec Constantin. L'église était, les témoins de Jéhovah rejetaient la Trinité de revers de main. Par exemple, les Adventistes. Il est vrai que, mais, sont pensés, mais c'est vrai que les Noirs étaient ensemble avec tout, c'est pas, tout partisan lieu, et, dans début 19e siècle-là, mais sont pensés. Les Juifs, par exemple, avaient l'habitude de se réunir les sabbats. Et pas la question dimanche là pas là-dedans du tout, c'est ton pensée. Et l'église catholique vini, yo changé bagay yo, notamment Constantin en dimanche, le premier jour, donc monsieur Adventiste fini par rendre compte que mais c'est pas possible. Yo parle dimanche là en kengote, yo dit tête que y a accroché avec le sabbat et jusqu'à présent, sous jeune Adventiste par exemple, on parle ensemble avec les labs que bah dimanche là, bah yo inventé etc., etc. Et Constantin, et les guérisons en partie. Il y a raison. Sous je note moi de Jéhovah, par exemple, l'abdou, mais, écoute, qui bagaille Jésus égale à ce mari, bon Dieu, ça. Jésus lit, même dans Jean dit comme ça que son père est plus grand que lui. Si son père est plus grand que lui, on bagaille qui est plus grand. Parce que l'ipaka égal. Donc, il a fait référence avec Constantin encore. Donc, toute division, ça rentre dans l'église. Il y a toute une histoire qui, que drainé derrière, il a commencé, soit bien gardé lire, en filigrane. Avec l'intervention de Constantin, les interventions de Constantin dans l'église, qui modifient ensemble de bagailles, l'église l'a vu oublier son histoire juive, parce que l'église l'a gagné en tout cas le parcours juif qui derrière lui, l'a vu appuyer lui sur le parcours romain. L'église l'a dénaturé net, qui vient balancer nos gains là, qui tout bagaille net, sauf l'église. En fond, tu rappelles, H. Schneider, Espérance, est-ce que c'est même l'église qui t'a gagné sous ta apôtio, qui l'a joué, hein? S'il y a des modifications qui opéraient, c'est à quel niveau? Nous qu'à dire à la fois oui et non. Oui, parce que d'une manière générale, c'est le même message. Le message est centré sur Jésus. Et le message est, il parlait nous de la vie éternelle, de Jésus qui est venu, qui vient dans la ville pour tout le monde, etc. De Jésus qui, de bras l'ouvrir à tant tout le monde, de Jésus ça, qui toujours prêt pour le pardonner, etc., etc. Donc, quel que soit dans l'église qu'on allait, hein. Ce message, il est inchangé. Il parle de christocentrique. Et dans ce sens-là, nous avons dit oui. Mais d'une autre façon, la façon de faire, c'est non. Pas de l'église du tout. L'église qui nous a gagné sous temps primitif, là, sous temps primitif, l'église primitive, avec ça, nous avons gagné qu'on y a, c'est comme du jour, c'est comme la nuit et le jour. Et c'est vraiment pas la même chose du tout. Du tout. Avec des mouns, par exemple, qui, c'est pas, soit pasteur, bah, qu'on est genre relayé, ouah, prophète, etc., etc., qui, par exemple, qu'une formation, qui réunion, on t'y chamkaï, qui barre l'ensemble avec de toi nas, et puis qui gon bib nan main, yo, cravate, yo, presque tout fait, yo pasteur. Y'a prêché, y'a pas l'effort, y'a pas qu'une formation du tout sur et la base même de l'église qui c'est la Bible et parfois ça qui grave là il y a pas de formation du tout et nous qu'a fait référence avec parabole ça que Jésus t'a dit est-ce qu'on aveugle qu'a conduit aveugle pareil tous les deux tombent dans le même toit pas possible et c'est ça que nous joignons par exemple à l'intérieur de l'église présentement toute vie scandale PAG ou qu'on a sur bagaille toute vie scandale toutes les bagailles sales qui gagnent présentement nous joignons tout en dans l'église. Pasteur ça, t'es rien max ça, il fait petit tac ça, elle finit, il garde en haut, il garde en bas, il marie avec l'autre frère dans l'église là. C'est insanité terrible, pas qu'il y ait un rapport à l'église. Et c'est ça qui fait que justement, nous avons des églises, nous avons dit ça dernièrement ensemble avec de l'autre amis, nous avons des églises présentement qui n'ont pas qu'il y ait un rapport avec Jésus. Aucun rapport.
aucun rapport. C'est ça qui est le plus facile qu'on y a pour un nègre, un kidnappeur en train dans l'église là, libre pasteur, libre fidèlio, elle finit de vivre de l'aller, hein, et pas arrivé. Parce que qu'est-ce que l'église par définition? L'église, c'est la maison de Dieu. Apôtre Paul enseignait ça. L'église, c'est la maison du Père. L'église, c'est le corps du Christ. Le Christ est la tête et nous-mêmes, nous sommes les membres. Donc, c'est Jésus même qui dit, côté deux ou trois mondes réunis dans un homme, moi présent, moi là bien vivant. Oui, mais pour ça, souvent, il a toujours dit, l'église de Jésus, il va me dire l'église de Dieu. L'église de Jésus, l'église de Jésus, hein, il s'en est plus que l'autre. Alors, ça qui passe, c'est que c'est comme un discours théologique, mais au fond, l'église de Dieu, l'église de Jésus, l'église du Saint-Esprit, moi, pile dans la rue, l'église du Saint-Esprit, l'église ceci, l'église. Écoute, c'est avec Jésus le concept église vini. C'est Jésus qui baille la ville pour lui racheter ensemble de nous. Mais rachat, ça, pas pour Jésus lui-même. Il est venu dans le cadre d'une mission que son père lui a donnée. Et effectivement, il t'a dit ça ensemble avec monsieur disciple, il a été posé une question pour dire comme ça que il dit Jésus montrez-moi papa. Et Jésus dit disciple que date-moi la voir pas j'aime connait papa. Quel que soit monde qui veut maintenant, lui veut papa à tout dans le sens que il est uni avec son père. Donc ce rachat là dont on a parlé, et c'est pas un rachat pour lui uniquement, non, c'est pour son père. Donc l'église de Dieu, pas gain aucun problème. L'église de Jésus, bon, aucun problème, et soumettez en face là sous Jésus, parce que Jésus lui-même lui dit que personne pas capable aller vers papa sans le papa, c'est pas moi-même, parce que je suis le chemin qui mène au père. Donc pas gain aucun monde qui a gain prétention que ou pas le contact direct ensemble avec bon Dieu sans papa, c'est pas Jésus. Et apôtre Paul, apôtre Pierre prêchait ça en pile pour dire qu'il n'y a aucun nom, aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés, par le nom de Jésus. Donc, il n'y a pas grand problème là-dessus. Mais le problème qui gagnait, c'est que c'est au niveau de la dénomination, au niveau du concept, pas grand problème, mais c'est au niveau du contenu. Bon, mon exemple simple, PRG, ça qui a passé là présentement. Bon, c'est sûr, certain que quand on est aussi bien, même plus bien basé. Ou pour un témoin de Jéhovah, excusez-moi si c'était non en pile, mais vraiment désolé. Ou pour un adventiste, ou pour un catholique. Ou trois catégories de monde ça, y a pas bien du tout. Y a tout fait partie de l'église là, parce que qui ça qui l'église? L'apôtre Paul est prêché par exemple que si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Y'a tous les trois croient dans Jésus. Y'a tous les trois croient dans l'au-delà. Y'a tous les trois croient et que Jésus a tonné. Y'a tous les trois croient, par exemple, on sorte de changement dans le monde. Y'a tous les trois croient à obtenir l'avènement de Jésus. Y'a tous les trois. Mais y'a pas bien du tout. Pour Adventiste là, témoin de Jéhovah, bah, rien. Pour témoin de Jéhovah, catholique, non pas chrétien. Pour catholique là, à mon ça va rien du tout, c'était des monde qui viennent avec et Martin Luther et des hérésies. Voilà. Et justement, c'est pas il y a une sorte de division à l'intérieur de l'église. Ou quand je non catholique là par exemple, on témoin de Jéhovah, pas capable un petit garçon en témoin de Jéhovah, pas carrément avec un petit gars, un petit finan adventiste. Il y a tous les deux ces chrétiens. Mais par exemple, une possibilité pour vous remettre et marier, c'est pas possible. Parce que le si pasteur témoin de Jéhovah, bon, comme il parle un pasteur, c'est ancien qui revient. Si ancien témoin de Jéhovah au courant que on m'a témoin de Jéhovah rime avec un adventiste, par exemple, la brûlé lui, il aurait lié, il chita ensemble et de manière courtoise, il a dit bon, écoute, et pas gagné et contact possible entre la lumière et les ténèbres. Qui est la lumière? C'est yo qui lumière pour yo même. Qui sont les ténèbres? C'est l'autre là. Donc yo définit tête yo en fonction de doctrine yo. Tout ça qui pas yo même pas bon, c'est yo qui bon, tout reste pas bon. Donc méthodologie, c'est par le fait que tout reste pas bon, donc c'est fait tout l'autre yo vinement yo malgré, c'est pas ça que Bible en dit. Vin gon problème au niveau de doctrine, il y a un ensemble de monde qui chita quelque part, qui élaboré deux trois bouts de papier, deux trois bouts de phrase, et puis yo décidé carrément. Alors doctrine non, c'est qui ça? C'est la façon dont moi comprendre un verset biblique. Me lire verset A, me comprendre li en Jean et me décider carrément, j'aime comprendre lien, c'est comme ça pour toute question pensée.
Et si vous pas penser le con ça, Satan, diable Satan, l'enfer, pas bon du tout, à rejeter, anathème, bagaille. Donc c'est le culte de la pensée unique. Catholique n'a pas de doctrine, en baboual. Tout soit d'il folie en accord avec doctrine, sinon, ah, diable Satan. Adventiste-là, comme ça. Témoin de Jéhovah, comme ça. Le problème, c'est au niveau des doctrines. C'est doctrine qui vient faire que la religion, ça n'a gagné le christianisme qu'on y a là, les diviser au lieu de, au lieu que les unis. Les diviser moun, les faire moun raïr moun, les faire moun pas qu'à entendre ensemble avec moun. Donc, ou, chrétien pas qu'à mettre tête ensemble pour avancer, pour même prier, bon Dieu. Oh, non, ouais, ça, Jésus. Et ça même, oui, il est tellement clair. Il y a un monde qui dit, tant pour fonctionner en chrétien, plutôt fonctionner en mambo. Et au guérison. Et en partie, au guérison, me songer, ça fait des années déjà, j'étais très jeune. J'ai commencé grand monde, me songer, et, m'étais allé dans le camp. Donc, j'étais encore très, très jeune dans le mouvement catholique. Bon, pas catholique, quand ça fait quelques temps. M'étais allé dans le camp, par exemple. Et, il y a un groupe protestant qui était dans le même espace ensemble avec nous. Il y a un groupe protestant encore, un deuxième groupe qui était plus loin nous. Vous imaginez, il y a un problème d'Elco, génératrice. Un jour soir, il n'y a pas qu'à faire. Chaque soir, il y a un courant. Mais un jour soir, prêtre qui était accompagné nous, hein, bon, bah, c'était non. Constatez que, bon côté, par exemple, c'est fin ouanet. Là, les côté pasteur qui était là, il dit, ça passé, qui fait que nous pas gagné courant, etc., etc. Pasteur a dit, ah, nous avons un problème génératrice. Comme son prêtre au pasteur a dit, peut-être, ah, bah, le mandé prêtre là. Ouais? Mais quoi, division? Bah, le mandé prêtre là, rien. Donc, comme un groupe protestant qui est tout près maintenant, qui est plus loin, bah, le mandé, yo, quelque part. Il est pas mandé prêtre là, rien. Et puis, là, il parle avec pasteur qui est à côté de là, pour lui dire, pasteur, ah, un problème génératrice là. Comme ou pas utiliser pour là et ou gain bah et au chargeable etc. prêtez me li même si c'est moi qui vais acheter essence mettre là-dedans gaz mettre là-dedans pas aucun problème. L'autre pasteur a dit pour me prêter il faut qu'on bombe $200 par jour alors que et c'est au bon corps dans zone là qui était génératrice li justement li partager avec groupe protestant sans argent. Donc, division tellement en pile, l'église l'a tellement dénaturée par l'église du tout, nous vînes mettre tout bagage qui gagne rapport avec le spirituel de côté, tout ça qu'on a fait en dans l'église là, c'est question l'argent, c'est question prestige, c'est question honneur, c'est pas grand qu'un problème dans ça. Pas plus tard que quelques années de cela, où t'es qu'on passe en Haïti, débourser des noms, monsieur, ouais, 1000 goud. N'est la montée chez Aldo, moun qui gagne 1000 goud, y'a avancé. 500 goud, y'a pas qu'on finit, non, pas qu'on finit. Mais c'est quoi ça? Donc pas gagner l'église là du tout, c'est on business que nèg la fait pour engranger des bénéfices. Donc pas gagner qu'un rapport. Et il y a une by Voltaire raison pour le dire que l'église c'est une assemblée de coquins qui a suivi par des imbéciles et sous point ça justement Voltaire a raison parce que ça qu'a passé là notamment en Haïti, li tout bagaille net sauf l'église Jean que li décrit dans la Bible. Et Schneider, est-ce que bon différence entre l'église et religion? Oui, grande différence. Notamment, j'en reprends l'ici en Haïti, par exemple. Moi, mon nom, je dois dire, non, qui religion, quoi, ah, c'est adventiste, non. La religion, c'est beaucoup plus global. La religion, c'est défini en relation qui existait entre l'humain et le divin. Et mon nom, un monde qui est religieux, qui appartenu à une religion, mais pas forcément dans l'église. Par exemple, et dans le judaïsme, par exemple, pas une question de l'église. Alors que, justement, le judaïsme, c'est une religion. Le bouddhisme, par exemple, c'est une religion, mais pas une question de l'église, dans question ça. Non, on a besoin de l'église uniquement dans le christianisme. Donc, l'église, c'est comme une partie, mais vraiment une infime partie qui décrit, on s'y attend quelques croyants justement de la religion mais c'est vraiment une infime partie. Oui, grande différence entre eux et y a pas même du tout mais ça qui est dans l'église là, par exemple les adventistes, les catholiques, les ceci, les cela, c'est des dénominations religieuses, c'est des dénominations chrétiennes qui gagnent un paquet de noms
encore en Christ, et tant que ceci, tant que cela, baptiste, bon, on déblie baptiste, baptiste, etc., etc. Donc, c'est pas qui religion, c'est qui dénomination chrétienne ont appartenu ensemble avec lui-même. Parce que le christianisme en tant que religion, il y a deux grands courants dans le, il y a le catholicisme et le protestantisme. C'est ça qui fait que il y a toute différence au niveau de religion. C'est ça qui vient côté tout, il y a des différences au niveau même de l'église. Donc, leur considérer toute dénomination chrétienne, ça, parce que c'est comme ça, c'est vraiment une dénomination religieuse ou une dénomination chrétienne, leur considérer toutes, ils viennent par un problème avec les croyants. Les gens qui ont un problème, parce que les deux, ils mettent en tête le supérieur avec l'autre là, c'est un problème sérieux, pas de humilité du tout. Pas gagner dans le processus pour vivre ensemble. Alors que si on a regardé la grande prière de Jésus pour l'unité des croyants, que nous venons à Jean, la grande prière, ça oui, la prière sacerdotale, Jésus priait pour tout le monde, pour l'unité de tout le monde qui croit dans lui. Pour l'instant, il n'y a pas d'unité entre les catholiques et les protestants, il n'y a pas d'unité entre les protestants eux-mêmes. De toute façon, le problème encore. Donc, alors, prière Jésus, cette grande prière-là, jusqu'à présent, est sans effet. Ça, c'est à l'interne, mais à l'externe, on voulait quoi? Parce que les menacer le salut même du non-croyant, même du païen. Parce que le païen garde de Yahweh, il dit que ça passe dans l'église, il est plus sale que de Yahweh, pas venir dans le jeûne, ça. Parce que ça, le vrai qui passe dans le maïs, pas venir ça, il dit la vérité de Yahweh, hérité de Yahweh, justement, pas mon païen. Donc, c'est si il y a un blocage, par exemple, dans le message même de Jésus, pour que l'évangile a prêché à toutes les nations partout dans le monde, donc le blocage est venu de l'église lui-même, parce que justement l'église est dénaturée totalement, ça a passé la présence. Pas seulement en Haïti, un peu partout dans le monde. Mais comme c'est de Haïti que l'on parlait, ça a passé présentement dans l'église, c'est du n'importe quoi. Par exemple, quand vous avez un prêtre dans l'église catholique, la couche en timon, pédophile. C'est monstrueux. C'est terrible. Donc, c'est ça la réalité. Vous donnez l'église dans le trafic d'âmes. Voilà. En Haïti, là, l'église a toutes sortes de trafic d'âmes. C'est ça qui fait que les bandits sont dans l'église. Là. Un bon exemple, c'est un piège. Moi-même, moi, grandi dans l'église catholique, moi, séminaire au prêtre. Il m'a quitté par la suite. Et le prêtre n'a pas célébré messe. Sous l'autel, par exemple. La doctrine catholique enseignée, par exemple, et le prêtre est arrivé dans un moment consécration, dans un moment de consécration même, il agit in persona Christi. C'est-à-dire, Jésus à la fois dans le prêtre, il à la fois dans l'offrande là, ni à la fois dans l'hôtel là. C'est ça qui fait que le prêtre n'a pas commencé l'hôtel là, et maintenant, il baise l'hôtel là. Signe de respect, la présence du Seigneur, etc. etc. Ou bien par exemple, des bandits dans la cathédrale que l'on connaît là, ils ont monté sur l'hôtel là. On a regardé une vidéo dans le téléphone, ils ont mis le souli, ils ont mis des caoutchoucs sur lui, parce que justement, ça n'a fait qu'on n'y a pas de qui n'a pas à l'église, Jésus pas là du tout. Nous mettons le dehors dans l'église là. Ni accepter, nous mettons le dehors pour l'instant, en attendant que nous prenions l'église, mais nous tout n'est pas le temps pour l'instant. Parce que c'est pas nous-mêmes qui demandons pour l'église. Donc pour l'instant là, c'est ça qui a passé. Ou imaginons dans l'église, nous le savons notamment dans les adventistes, il n'y a pas de catastrophe profonde. C'est incroyable! Donc, c'est priger le monde pour enrichir notre catégorie. C'est pas possible. Un pays qui est aussi dur, où je ne dis pas qu'il vient, seulement qu'il distribue l'enveloppe, qu'il vient casser le monde, et après, il y a des versets dans le monde, il y a des natures versées, il y a des versets dans la protection, justement, pour casser le monde là, pour prendre l'argent. Vous imaginez, fidèlement, pas qu'à même payer un petit cadeau pour l'autorité de l'homme. Ça va acquérir le pasteur et bien dirigeant. Oui, mais maintenant, dans quel sens, et on a dit, l'église là, et t'as empêché de nous sauver?
Il n'y a pas empêché de sauver parce que l'imité de la mère que nous, comme barrière, orgueil, le surcroît. On croit que nous sommes plus bons que l'autre. On croit que nous sommes supérieurs avec l'autre. Orgueil, ambition, jalousie, rancune, rancœur. On ne peut pas fonctionner avec l'autre parce que nous parlons même ensemble avec nous. Parce que nous parlons même dénomination religieuse. Ça va bien. Automatiquement, nous considérons. Vous pouvez avoir des chrétiens là, par exemple. Qui n'ont pas avoir une DOSA dans l'organisation de Dieu. Si nous n'avons. Et les chrétiens, par exemple, Pierre, je ne sais pas comment sur le local d'activité professionnelle, les chrétiens ne fonctionnent pas ensemble avec, même si de manière professionnelle, ils ne fonctionnent pas ensemble avec les chrétiens. Les gens qui vont l'horizon, les chrétiens sont où ils sont. Ouh, j'aime ça d'être. Alors, ce que c'est pas ça la méthodologie de Jésus. La méthodologie de Jésus, c'est. Considérer nous comme monde d'abord. Ensuite, on va parler avec nous. Oh, justement, chrétien, chrétien, ça, yo! Il a mis dans la tête que, oh, pas bon. Ce monde, il n'y a pas un rapport entre lumière et ténèbres. Et on définit par exemple, que c'est yo, lumière. Tout ça, pas yo, c'est ténèbres. Alors, que l'heure, quand on peut parler ça, on dit dans un contexte bien particulier, bien spécial. Et vous retirez le contexte, et vous mettez dans le contexte là-même, puis vous m'avez dit que top découvert, couverture, vous faites verser à des bagages qui parlent de la pensée de l'apôtre Paul. Donc, et justement, dans ce sens-là, il y a spécifiquement l'église qui a empêché de sauver, et là, empêché de sauver. Vous savez, par exemple, des gens qui tout le jour dans l'église, le trompette va sonner, il n'y a pas là. Commencer des pasteurs, pasteur, prêtre, nous jusqu'à ce que nous, par exemple, fidèles, yo pape là, parce que ça relève ces questions religion, nous parlons de question bon Dieu, question Bible, question vie éternelle. Par exemple, ça va chanter l'église encore d'autres d'ailleurs. Et vivre de nos jeunes, Jésus va le sauver, Jésus va le délivrer, Jésus va le ceci, viens faire quelque chose, ça va pas apprentissage de la vie éternelle. Non, pas du tout. Et dans ce sens-là, qui comportement y a un monde qui veut sauver de gagner par rapport à l'église qu'on y a? Faut le prendre avec un pile pincette. Comportement, faut le prendre avec un pile pincette. Ça qu'a dit en dehors de l'église, ça qu'a fait, faut le mesurer tout ça qu'a fait, tout ça qu'a dit dans l'église à l'aune même de la parole de Dieu. Non, l'épisode ça, et avec l'apôtre Paul, l'arrivée dans la ville que vous délivrez, le chrétien de délivrer, l'apôtre Paul a prêché l'évangile. Mais il y a un message dans mon mail, il y a un texte dans mon mail. À chaque fois que l'apôtre Paul dit, il y a vérifié. Puis il y a voir est-ce que effectivement ça va se passer dans la bouche de monsieur, il est cadré avec la parole de Dieu. S'il n'est pas cadré à bouche de Dieu, s'il est cadré à Paul, évidemment, il faut que le chrétien agisse tant que le chrétien de l'éveil, justement, pour lui rejeter toute bagaille qui n'a pas fait partie de la Bible. Et évidemment, il faut que nous demandions Dieu l'esprit de discernement pour comprendre ensemble les batailles qui sont dans les plans et demander aide. Et il y a des gens qui veulent rester dans ça, justement, pour permettre. Et ce comportement, c'est agir avec en pile prudence. Parce que l'église, là, pour l'instant, là, il y a une infiltration terrible qui fait là-dedans. Et Satan va agir. Satan va agir, il dénature l'ensemble des batailles dans l'église. Là. Et même les gens qui sont dans l'église, ils ont Est-ce que l'Église nous gagne là aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que vous prêtez? Est-ce que vous estimez que vous avez capacité pour affronter et gros événements apocalyptiques que vous avez? Oh non, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas si vous par exemple, ça a été passé en 2019, notamment 2019, avec l'arrivée du coronavirus. C'est en dans l'Église même que tu commences à prêcher que le coronavirus, c'est la marque de la bête. Malgré moi-même, mandat d'église, tout, m'a dit oh, non, ce n'est pas vrai, c'est faux. M'a essayé, il n'y a pas de temps, parce que justement, il y a un ensemble de monde qui dogmatisait quelque part, qui vient, qui dit au débat avec un rapport ensemble avec la Bible. Non, l'église que nous venons qu'on y a, n'est pas vrai du tout, pour ne pas affronter les événements de la fin. Nous pas vrai du tout. Donc, on y a là. Qui ça Jésus va le faire? Non, ça ne va pas. Et parce que Jésus a retourné pour me chercher son église, ça ne va pas le faire.
Est-ce que nous avons la pluie, Joël dit, la pluie de la première et de l'arrière saison, pour capable de remettre nous sur le rail? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça nous gagne qu'on y a là. Ça nous gagne l'église là, nous ne pas du tout. Du tout. Et ça va nous mener, ça t'a frappé. Et nous-mêmes, nous avons dispassé le temps, nous avons perdu le temps, nous avons gaspillé l'énergie dans des bagages futiles, sans aucune importance, sans aucune valeur. Nous ne pouvons pas mettre l'esprit, nous ne pouvons pas mettre le focus sur les bagages qui va passer. La paix, l'amour, la fraternité, la fraternité, le respect, la tolérance, la vie éternelle, le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, la bénignité. L'église n'a pas parlé de bagages encore du tout. Virer de nous dans des Jésus va les livrer. Qui est-ce qui dit Jésus va les livrer? Qui est-ce qui dit que délivrance ça va parler là, tu fais partie du plan Jésus? Non. Vire, c'est ça. Tout le jeune qui a gagné un peu partout dans le monde, on garde le message. Oh bonjour, bien joué, on va faire expérience ça. Et ce matin, on va faire, et puis on va dans l'église pour t'en débloquer. Ou bien passer devant l'église, non, faut-il qu'on peut pour deux doigts pour t'en déposer. Jésus parle de qui côté? Ça, l'immobilier de ça? Qui côté? Non, on parle de quelque chose. Il faut que nous pas instruire justement selon la parole de Dieu. Pas d'instruction, pas d'enseignement dans l'église. Yo, encore. Tout ça que nous gagnons, nous sommes des contextes concernant nos ministres, qui est intitulé Éclipse de la foi, une menace pour le chrétien d'aujourd'hui. Donc, tout ça que nous prêché dans l'église, yo, qu'on y a là, c'est doctrine. Tout net est doctrine divisée le plus. Doctrine fait nous plus orgueilleux. Doctrine menace la foi, nous, la vie éternelle. Doctrine menace les croyants. Donc, ça nous gagne là. Il va prendre tout pour lui affronter des événements de la fin. Et ça nous gagne dans tout. Et pas plus perdre nous que aider nous. Téléphone-nous. Le téléphone du ministère fait le temps, qui c'est 3877-66. Et au cas où il y a un monde qui écrit ou qui parle ensemble avec vous, justement, pour parler. Et dans la mesure du possible, tout cas, je peux te aider nous ensemble avec vous dans ma quête justement pour comprendre normalement le message de la parole de Dieu sans aucun anonymat qui l'attend. Merci encore, Béry. Pour compte tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il y ait religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager émission nous yo avec zanmou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence, PRG, Pierre-Richard Guillaume-Fou.